Je suis Louis Rockburger, je suis le président de Vinci Concessions et donc j'ai le plaisir de superviser l'ensemble des activités de développement et également d'acquisition de concessions au sein du groupe. On a la chance dans nos métiers historiques, autoroutiers et parking, d'être des leaders. Dans le domaine des aéroports, on était un acteur plus modeste. Et donc l'idée, c'était de trouver l'opération qui nous permettrait de transformer, de changer de statut complètement. Et ça a été, je dirais, le succès de l'opération ANA au Portugal. Le gouvernement portugais avait prévu un certain nombre de privatisations, dont celle des aéroports. Pendant 50 ans, nous allons les exploiter. C'est un projet très important. Ça nous a permis de multiplier par 4 le chiffre d'affaires géré dans le domaine des aéroports par Vinci Concessions et par sa filiale Vinci Airports. CACIB nous accompagne très fréquemment. On a une relation de très bonne qualité. Et donc, il nous est apparu naturel de les avoir comme conseil sur des opérations qui étaient complexes. Oui, comment vas-tu ? D'une part, on connaît extrêmement bien le secteur aéroportuaire. D'autre part, on a une longue relation de confiance dans le conseil en fusion-acquisition, ayant fait déjà plusieurs missions de conseil pour Vinci. Et d'autre part aussi, ils savent que nous avons l'expertise pour monter le financement de cet ensemble qu'ils ont acquis pour 3,80 milliards. Donc on a fait travailler toutes les lignes métiers qui avaient un rôle à jouer. Et donc c'est cette expertise mise en commun qui fait que ça illustre bien la capacité, quand on met tout le monde autour de la table, de gagner une opération. L'expérience qu'on peut tirer, c'est que quand on apporte ensemble une solution combinée au client, c'est là qu'on est le plus fort et c'est là qu'on gagne des opérations. Et c'est ça qu'on peut dupliquer sur d'autres opérations. Donc les atouts de l'équipe de CACIB sont nombreux. C'est toujours le sérieux, toujours le professionnalisme. Encore une fois, une forme de partenariat dans la durée, des compétences techniques évidemment du plus haut niveau. On est satisfait de façon générale des relations qu'on a avec CACIB. On a été satisfait sur cette opération également, satisfait de la façon dont ça s'est déroulé en pratique et très satisfait de l'issue. Voilà, après, la victoire est belle et donc on est heureux de la partager également.